Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8, évidemment Village, de retour dans la fameuse maison avec le gros bébé qui pleure, comme d'habitude, éteignez les lumières, 4K 60 FPS, on est parti, la porte de gauche était fermée, en face on avait lu le bouquin, on n'a plus qu'à avancer et ça risque d'être encore très tendu, tout comme dans le jeu principal, évidemment. Et là, comme par hasard, il manque un bébé sur l'écusson. C'est donc verrouillé. Ok. Ok, 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 ok. Ça rappelle énormément Pity, quand même. La démo qu'on avait eue. Pourquoi il y a un portrait de moi? Oh, il est stylé. Je sais pas qui l'a peint, mais il est stylé. Ok, j'ai plus de munitions à part des pistolets. Ah! Le cristal est là, mais il est dans une cage. C'est l'heure de jouer! T'as pas besoin de tout ce bazar. Hé! Hey, mais mes affaires! Ah là là! Ils refont une reconstitution de ce qu'a vécu Ethan, mais quel enfer! Son ventre a été recousu, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Non mais attends, mes cousines, éclate-moi tout ça, c'est qu'une peluche, bordel. Ok. Bon bah là, on va se la jouer infiltration, je dirais. Oh, une petite peluche. Ah. On va la refermer parce que ça me stresse. Ok, un piano. La fameuse porte ici. J'ai entendu quelque chose là-haut. Hein. Ok. Ils mettent des bruits aléatoires, c'est assez terrible. L'eau qui coule, c'est un classique. Voilà. Eh, on est en période d'économie, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Des dessins sur les murs. Attendez, parce que... Souvenez-vous, il y avait un bail avec le berceau là-haut. Vous vous souvenez ou quoi? C'était même dans la chambre de Jimmy. Qui est Jimmy? Le bébé? Ok. Ça commence à devenir un peu malsain. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Monsieur Singe a mal au ventre. Il te donnera peut-être le cristal si tu l'aides. Comment vous voulez récupérer un cristal dans un monde où tous les rêves peuvent être changés, tout peut disparaître et apparaître Oh, je me suis chié dessus. Oh, les ombres de rose, c'est donc ça. Ok. Évidemment, c'est un classique. C'est moi qui ai fait tous ces dessins. Ok. Le casier encombré sur la faute... le casier encombré. La photo sur l'étagère, le bureau couvert de livres. D'accord. Le bureau couvert de livres. Ah bah il est là. Ok. La photo sur l'étagère. La photo elle est là. 44. D'accord. Ok, c'est donc pour ouvrir ce coffre-fort. Le casier 44... Quoi? Attends. Le casier encombré. Donc 02, la photo sur l'étagère, 02-44. 02-44-66. J'ai cru que c'était une... J'ai cru que c'était un penny. 02 44 66 02 44 et obligatoirement finir par un 66, c'est un classique dans un jeu d'horreur. 60 66. Très bien. Vraie question. Ok.
Je commence à avoir la gueule pâteuse. Ah! Oh putain! Ok, il y a une ombre. Ok. Je suis moyen serein, hein. Allez. Un gun. Ah. Très bien. C'est pas en éventrant Titanic que s'obtiendra le cristal. Tu sais jouer à la poupée, j'espère. Quoi encore? Ah! Lucie. Ok. Ça, on sait pas. Encore un nouveau mot. Tu obtiendras peut-être le cristal en allumant le feu de camp. Oh, mais quelle galère. Je parie que tu peux trouver plein d'endroits où jouer avec cette poupée et ses amis. Lucie. Évidemment. Donc, Lucie. Ok. Il y a sûrement... Oh là là, mais quel enfer, putain, quel enfer. Ah, ça a changé les jeux pour enfants, hein. Ok. Oh, putain, mais maintenant, rien que j'ouvre une porte, je suis pas serein. C'est bien lâché, on dirait. Ok. Allez. Ouais, Oh, ça me rend fou parce qu'on revisite bien toute la maison Beneviento. Et vraiment, cette maison me met dans un malaise pas possible. What the fuck? Alors, personne ne veut être son ami. Quelle pauvre fille. Oh non. J'ai écrit quoi dessus? Oh mon dieu. Il y a combien de poupées là dans ce merdier? Oh là 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 là. Ok. Oh fils. Oh là 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 les bâtards. Ok. Catherine. Ah bah voilà. Oh le merdier. Bah ouais mais les gars, tout est out of control. Complètement illisible. Les gars. On va aller dans la chambre de Jim, on sait jamais. Ah, il faut une clé. Bon, on va faire la pièce qu'on connaît déjà là-haut. Je sais pas combien je vais avoir de figurines sur moi, ça risque d'être assez terrible. Donc tu veux que je joue avec ces poupées? Ok. On va récupérer Lucie donc, je suppose. Ah, d'accord. Ok, à chaque fois... Oh là là, ça va être... Oh, ça va être chiant. Il y a je sais pas combien de scènes qui vont t'offrir une poupée. Qui vont te redonner une autre poupée. Ok. Donc là, normalement, ça va donner une poupée, non? Ah, très drôle. Drôle, connasse. Oh là là. Nous devons nettoyer cette moisissure dégoûtante sur elle. Ah, d'accord, ok. Donc c'est moi, hein, évidemment. Hein. Vous l'aurez compris, c'est ma poupée. Et chaque scène va offrir une clé ou quelque chose pour continuer, je ne sais pas.
Y a quoi là-dedans? La chambre de Jimmy. Ah! Ok. Je sais pas vous, mais je suis moyen serein. Et là, on est au fond du trou, il y avait un... Toujours pas d'armes, hein, faut le savoir. Ok. Oh, c'est horrible, je déteste cette maison, je déteste tout ce qui s'y passe. Et encore les gars, hein, ils nous ont fait le bonheur de ne pas partager... Vache, c'est super glauque. Qu'est-ce que c'est que ça? Un clown qui tend le bras. Ok. Ses deux mains sont tendues comme pour tenir quelque chose. Cette poupée se trouvait au fond d'un puits. Et ils nous ont pas donné le rez-de-chaussée de la maison. J'ai peur. Oh putain, je le savais. Oh non. Mais elle me suit partout, c'est Madaron ou quoi? Uchiwa Madaron? Ok. Donc là, j'ai quoi? J'ai deux poupées, trois poupées. Lucie, très bien. Quel enfer, quel enfer. Est-ce que... Le clown qui tient le bras, c'est pas pour brûler Rose? Ok... Alors attendez. Oh là là. Alors attendez. Là on a le clown. Je pense que c'est lui qui tend. Voilà. Là. On a Catherine, je suppose, qui pointe du doigt. Et là, on a Lucie. Voilà. Ça me paraissait logique. Ah! Ok. Et donc là, on a moi, évidemment. Ah non! Ah non, c'est pas moi, ça. Donc on a quatre poupées. Ok. Oh, je suis pas serein là, hein, sa mère. Hein. Ok. Ça devrait être bon, 4 poupées. Ah, ah putain! Fils de pute. Wow! Bon! Ok. Elle, c'est celle qui tend le doigt, je suppose. Très bien. Elle, c'est donc Lucie. Très bien. Lui, c'est le cadeau, le clown. Voilà. Et lui, je suppose que c'est la petite gamine. Non ? Ok. Il reste quelque chose que nous n'avons pas fait. Il reste quelque chose. On est passé à côté d'une scène. Très certainement. Sûrement derrière, mais je vois pas. Mince alors. On va save. Là. Boîtier. Bah mince alors. On a les quatre poupées.
J'ai dû me tromper dans une poupée. Ok, j'ai inversé le clown, je crois. C'est bon, j'ai. Alors, attends. Ici, c'est la pointeuse du doigt. Voilà. Ici, c'est Lucie. Ok. Et ici, peut-être... Oh, je vois pas, le clown. Et ici... Mais non, 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 elle fait rien. Mais non. Ou alors, la pointeuse du doigt. Attendez. Ok. Et la petite gamine ici n'a rien à faire. Ouais, mais je vois pas parce qu'elle a pas cette position. Ah si, putain, elle l'avait. Sérieusement, va te faire foutre. Ok. Elle est morte. C'est trop triste. Le téléphone bip. Toujours décroché quand le téléphone sonne. C'est pas vrai, Rose. Tu cherches encore le cristal. D'accord, je vais t'aider. Prends l'ascenseur et rejoins-moi. Ok. Maman n'appréciera peut-être pas que je t'aide, par contre. Qui es-tu ? Bon. Course-poursuite ou pas ? C'est le couloir le plus long de ma vie. Ok. Si elle t'attrape, c'est perdu, évidemment. Évidemment. Oh là là. Oh là là. Ok, attendez, bougez pas, s'il vous plaît. La porte, on court. On fait tout le couloir. Et dans la chambre à coucher. La porte. Il y a une sorte de long couloir avec tous les dessins. Donc, on passe la porte. On passe le study. On va à droite. Gauche. Gauche. Droite. Je suis mort. Oh mon Dieu. Oh putain. Oh non. Oh.
Oh non, c'est dur. Excusez-moi, non mais je déteste ça, c'est horrible. Bon. Machine, hein. Ok, on va save. Je t'attends dans la chambre, Stephen. Jouant à cache-cache, arriveras-tu à passer... Attends, quoi ? Sans que l'on te trouve. Ok. Ok. Oh, regarde ! Il faut pas que je me fasse voir. Yeah. Ok, vous savez que je suis un professionnel des jeux d'infiltre. J'imagine que je dois aller par là. Ok. Elle, elle fait que des allers-retours. La vache. Elle fait que ça? Ok, elle fait que des gauches-droites. Et elle, elle check tout ça. D'accord. On va attendre un petit peu. Waouh, c'est terrible! C'est terrible. Oh, par contre, alors, quel bonheur de revoir la maison Beneviento, mais oh là là, quelle caca culotte! Ok. On va pouvoir aller à droite. Beaucoup d'amis qui t'attendent. Bah
Alors ? Non, ils abusent là, wesh. Ok. Là, je l'ai pas là. Ah, d'accord, faut vraiment être proche, très bien. Vous avez entendu ça ? Attrapez-la ! Tellement. Si elle me voit, je suis foutue. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Ok. C'est bon. Attrapez-la. Bon. Ok. Ah non, c'est bon. Ok, non, ça a l'air bon, it's okay, guys. Je me voyais déjà mort. C'est peut-être fait exprès, je me dis, je sais pas. Je pense pas. Ok. Pas me faire de soins, c'est ça? Quel enfer. Mais bon. Il faut que je réussisse à passer. Ah, attends. Ok. Je suppose que là, la cage, je peux pas aller au-dessus. Je suis mort. Ok. Le timing est très serré. Ok. Ça va vite se soigner, ça, parce que quel enfer. Il faut que je réussisse à passer. Ok. Bien. Bien. Attrapez-la. Ok. Très bien. Très bien. Next. Maman. Non. Tu sais ce qui arrive aux petites filles qui sont pas gentilles, non? Oh la vache. C'est bien elle. J'y crois pas. What the fuck? Mais comment elle a fait? Ok. Comment elle a fait? Je l'ai pas là. Attends. Tu sais ce qui arrive aux
pris vos petites filles qui sont pas gentilles, hein? Ok. J'y crois pas. J'ai l'impression qu'elle voit sous la chaise, vu que sa lumière, non? Je sais pas, on va avancer en parmesan. Là, je vais voir où elle va, parce que j'ai pas compris, elle s'est retournée d'un coup. Ok. Oh là là, ils ont rajouté ça, d'accord. Donc va falloir. Ok. Je sais pas, j'aurais peut-être pu écho, j'en ai aucune idée. Ok. La vache. Je crois que la chambre est là-bas. Allez, je t'en supplie. Bouge ta race. Oh, je suis désolé de lâcher quelques insultes, mais c'est terrible, c'est terrible. Ok. Elle peut pas s'énerver, Rose, et faire une un kamehameha de pouvoir blanc là. Dépêche. Ok. Enfermez-la. Michael. Ah.
mon père. Je l'ai jamais connu, moi. Non, je sais pas. Je sais absolument rien de lui. Et je le regrette. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort pour me protéger. Il y a des fois où j'essaie d'imaginer comment serait ma vie s'il était encore là. Il m'aurait appris à faire du vélo, il m'aurait aidé pour les devoirs, il m'aurait lu des histoires. Est-ce qu'il aurait été là pour moi, fier de moi? Parfois, quand je suis paumée et que j'ai peur, j'essaie d'imaginer ce que mon père me dirait. Familier, comme si j'étais déjà venue ici. Bon, bah, regarde-moi toutes ces décorations. Il y a une fête ou quoi? Alors, chose à faire, décorer le salon, fait acheter du vin, préparer l'autre cadeau dans mon bureau, caché. Et ben voilà. J'ai tellement de chance de vous avoir toutes les deux. Cette voix, c'est papa. Ça doit être la maison où mes parents vivaient quand j'étais bébé. Je parie que d'autres objets contiennent des souvenirs de mon père. À l'étage? Ok, je vais voir. Hop, on se casse, hein. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On a toute la maison de notre enfance à regarder! Bisous tout le monde, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.